Merci parce que, Seigneur, pour toi, il n'y a pas de limite, pas de frontière, Seigneur. Merci parce que ta puissance, Seigneur, elle vient encore agir ce matin. Elle vient encore, Seigneur, manifester, Seigneur, ta grandeur, ta gloire, Seigneur, dans chacune des vies. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends toute la place qui te revient et que ce moment te revient, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as donné ta vie
De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté.
blanchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ta vie sur cette croix.
pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur. Sauveur du monde, c'est notre Dieu. Sois glorifié au milieu de nous ce matin. Merci, merci. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Je salue tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui sont avec nous également, non pas forcément présents physiquement, mais... qui sont avec nous au travers des réseaux. Donc nous vous saluons, que vous fassiez partie d'une église ou que vous soyez à la recherche de Dieu tout simplement. Soyez les bienvenus et que Dieu puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous par sa parole. Amen. Alléluia. Alors nous allons partager ensemble ce matin sur cette parole. Nous allons faire une première lecture dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon, donc que nous allons partager. C'est le Juges chapitre 6,
C'est un Israélite. Et dans ce temps-là, les choses sont un peu compliquées pour le peuple d'Israël, où l'oppression des Madianites fait que Israël se voit persécuté. Et lorsqu'ils ont de quoi à manger, les Madianites viennent et viennent tout récupérer, parce qu'ils sont quand même plus forts et plus nombreux à ce moment-là qu'Israël. Le verset 11, il nous est dit « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la maison de la famille d'Abiézer, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra et prépara un chevreau et il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il l'a mis la chair dans un panier et son jus dans un pot et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose sur le rocher et répandis le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui répondit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Amen. Gédéon est un homme un peu particulier, mais moi j'aime particulièrement aussi Gédéon. J'aime particulièrement cette partie de son histoire, parce que Gédéon, il essaie de trouver des solutions. Madian vient prendre tout, comme je vous disais tout à l'heure, et lui, il va battre le froment dans un endroit où c'est prévu pour le raisin. Donc, il va battre le froment dans le pressoir, espérant que les Madianites, quand ils viendront, ils n'iront pas voir au pressoir, parce que ce n'est pas le temps des vendanges, mais c'est le temps de la moisson. Donc, il ira là-bas et il fera les choses, il essaiera de jouer au malin avec les Madianites en espérant que ça fonctionne. Et l'ange, quand l'ange de l'Éternel s'approche de lui, il commence à le saluer. « Salut à toi ! Que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros !» Qui veut être des vaillants héros pour l'Éternel là. Amen. La main à lever là. Moi, entendu des amen. Là, on va faire autre chose. Ceux qui veulent être des vaillants héros, levez la main, va. Et les autres. Et les autres. Dis-nous, attends la suite. Après, nous voici, nous lève la main. Alléluia. Gédéon dit une chose que. Probablement, parfois, les chrétiens que nous sommes, nous pouvons aussi dire, quand les circonstances ne sont pas toujours favorables, et que quelqu'un vient nous dire, mais t'inquiète pas, Dieu est là. Mais nous, dans la manière où on vit cette réalité, c'est pas la même chose. Et Gédéon dit à cet ange, tu me dis salut à toi. L'Éternel est avec toi, mais si l'Éternel est vraiment avec moi, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées à Israël? Et c'est une question, je dirais, que certains, il faut le reconnaître, que certains chrétiens que nous sommes, nous nous posons face à certaines circonstances. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourtant j'ai tout fait, oui, pourquoi?
Pourtant, Seigneur, je fais bien, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et nous voyons que Dieu ne lui donne aucune réponse. Hein. Dieu ne lui dit pas Gédéon, parce que c'était... Mais la réponse, elle est évidente parce qu'elle se trouve dans les passages précédents. Parce qu'à ce moment-là, Israël est dans une attitude de cœur qui déplaît à Dieu. Alors, est-ce à dire que lorsqu'il nous arrive une circonstance terrible, que votre attitude de cœur déplaît à Dieu? Certainement pas. D'accord? Il y a des moments où Dieu nous met aussi à l'épreuve. Mais la réponse que nous espérons avoir, Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Cela n'est pas forcément la réponse qu'il faut aller chercher. Parce qu'à côté de cela, le Seigneur dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Et dit, c'est toi qui mettras Israël en succès et tu iras combattre Madian. Gédéon dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça moi. L'Éternel dit, si c'est moi qui t'envoie. Si c'est moi qui t'envoie, alors tu vas le faire et tu vas réussir. Et si je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Et Gédéon dit, oui, mais je veux bien. Mais quelle preuve j'ai que c'est toi qui es en train de me dire ça là? Il dit, reste ici, je vais t'offrir un sacrifice. Pardon. Une offrande. Et lorsqu'il arrive, l'ange touche l'offrande avec son bâton et du rocher sort le feu. Frères et sœurs, lorsque vous vous êtes approchés de Dieu, lorsque vous avez dit oui à Dieu, Dieu a manifesté sa puissance dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Dieu a restauré ce qui devait restaurer dans votre vie. Dieu a fait un travail vrai et vous pouvez certainement tous en témoigner de ce que Dieu a pu faire. Il a restauré des foyers, il a restauré des vies, il a guéri des corps malades. Il a fait énormément de choses. C'est ce signe premier que nous avons vu. Certains d'entre nous étaient dans un chaos pas possible, mais Dieu a restauré et a su mettre la paix dans les cœurs. D'autres personnes parmi nous, la médecine vous avait déjà condamné. La médecine avait posé sur vous le handicap. Vous serez dans un fauteuil roulant. J'ai le témoignage là d'une sœur qui me revient en tête là. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, cela n'est rien et n'en est rien. À lui seul la gloire. Amen. Amen. Et non seulement la personne n'est pas dans un fauteuil roulant, mais la personne est capable d'apporter la parole de Dieu, de sauter, de glorifier le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les hommes posent, mais quand la main de Dieu se pose, frères et sœurs, Madian était beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fort que Gédéon, que qu'Israël à ce moment-là. Mais lorsque Dieu intervient, cela n'est rien. Cela n'est rien, la force des hommes n'est rien. Et Gédéon, en allant dans le pressoir, il a voulu essayer de gérer les choses à sa manière, avec ses propres forces. Mais Dieu lui dit, Gédéon, je viens te montrer une autre manière d'agir, que tu puisses t'appuyer sur moi. Et parce que tu t'appuies sur moi, tu verras des résultats différents. Lorsque Gédéon va dans le pressoir, il essaye, et je pense que chacun d'entre nous, on est un peu comme ça, frères et sœurs. Lorsque on a l'impression que la main de Dieu n'est pas là, c'est une impression seulement qu'on a, alors on essaye de trouver une solution par ses propres moyens. On essaye, Seigneur, on va essayer ça, peut-être que ça va marcher. Et c'est pas mauvais de ce que Gédéon fait. Il agit avec une certaine intelligence. Il espère que Madian ne va pas aller dans le pressoir. Et c'était en général un petit peu à l'écart, donc c'est pas au même endroit où c'était pas dans l'air où on battait le froment. Donc il espère que. Et nous, parfois, on espère que ça va marcher. Mais vous et moi, nous avons dit oui au Seigneur. Et nous devons apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Non pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais parce qu'il est ce qu'il est. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses, frères et sœurs. La Bible nous montre la puissance, la fidélité et l'amour de Dieu. Toute la Bible, le commencement de la Bible nous montre la puissance de Dieu. Il dit une chose et la chose arrive. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » L'amour de Dieu est là. Tout ce qu'il fait, toute cette création, il dit « Il vit que cela est bon, il vit que cela est bon, il vit que cela est bon. » Il crée l'homme, il dit « Domine sur tout ce que j'ai créé. »
L'intention de Dieu, c'est que l'homme puisse jouir de ce que Dieu a mis à sa disposition. Dieu a toujours eu l'intention de prendre soin des hommes que nous sommes. Dieu a toujours eu l'intention de nous faire en sorte que l'homme puisse être heureux dans la condition qui est la sienne. Mais le péché a tout changé. Le péché a tout changé et lorsque Gédéon et Israël se retrouvent dans cette situation, c'est que dans les versets précédents, il nous est dit qu'Israël était dans une désobéissance à Dieu. Et encore une fois, est-ce à dire que lorsqu'il vous arrive quelque chose, vous êtes dans la désobéissance, c'est à vous d'examiner votre situation et si tel est le cas, il faut revenir vite fait à Dieu. Parce qu'il nous est dit que l'Éternel est intervenu lorsqu'Israël s'est mis à prier Dieu dans la situation face à Madian. Et lorsqu'ils se sont mis à prier, Dieu est intervenu. Et Dieu va faire ainsi, frères et sœurs. Il va faire éclater sa gloire dans nos vies lorsque nous savons nous approcher de lui avec humilité. Dieu est fidèle et il se souviendra toujours de toutes les promesses qu'il vous a faites. Pas ce que vous avez compris des promesses, mais des promesses qui vous a réellement faites. Pas quelqu'un qui aurait prophétisé sur vous parce qu'il vous aime bien, mais les promesses que Dieu vous a réellement faites. Amen. Et donc, Dieu est fidèle ainsi, et il va dire à Abraham, « Abraham, je vais te bénir. Je vais tellement te bénir que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et nous sommes la conséquence de cette promesse de Dieu. Quand Dieu dit « il a tant aimé le monde », c'est que cela est la conséquence de la promesse faite à Abraham. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il dira à Abraham « tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans. » Dieu est fidèle et ce qu'il dit s'accomplit. Non pas encore une fois pour un homme, pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour punir qui que ce soit, mais pour que sa gloire éclate. Pour que l'homme réalise qu'il est Dieu. Et que les hommes que nous sommes, nous avons besoin du secours et de la main de Dieu. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu et d'être réconciliés avec Dieu. Abraham, lorsque Dieu dit cela à Abraham, cela paraît très improbable parce qu'Abraham est âgé. Et son épouse, Sarah, est aussi âgée que lui. Et dans leur âge avancé, ils se disent, mais comment est-ce possible, puisque nous n'avons pas d'enfant? Et comment est-ce possible qu'à notre âge, nous puissions avoir un enfant? Et comment cet enfant-là, si on l'a, puisse être porteur de toute cette promesse? Mais Dieu va accomplir sa parole. Même si la chose paraît improbable, Dieu va accomplir sa parole. Pour Gédéon, la chose paraissait improbable. Il dit, mais tu me choisis, moi, mais ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis, moi, dans la maison de mon père, le plus petit des enfants. Comment tu vas m'utiliser? C'est improbable. C'est pas possible. Mais Dieu vous a choisi les uns et les autres. Il vous a choisi, peu importe qui vous étiez. Il est venu vous voir et il vous a salué comme Gédéon. Ah, j'ai pas entendu ça, Seigneur. Seigneur, je ne sais plus comment tu m'as salué. Seigneur, tu m'as dit ça, toi? Le Seigneur vient vers nous et il nous salue. Quand il s'approche, l'ange Gabriel, quand il s'approche de Marie, je te salue. Toi, Marie, à qui une grâce a été faite. Quand il y a quelque chose de particulier, Dieu vient vous chercher, il vous annonce et il vous salue, bien-aimé. Il vous a appelé, il vous a salué, il vous a... C'est juste, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, hein, mais c'est important. C'est important. Et de la même manière que Gédéon, vous n'avez peut-être pas entendu clairement dans vos oreilles, il va dire, l'Éternel est avec toi désormais. Vaillant héros. Ça que là, lève la main, t'as l'air là. Et les autres, tu veux toujours pas lève la main? Alléluia. Vaillant héros. Mais Dieu invite ce vaillant héros à faire preuve d'héroïsme. Dire, mais écoute, en face de toi, il y a plus de 120 000 soldats. Et toi, tu es le plus petit de ta maison. David a combattu contre Goliath. David n'était pas très grand non plus. Hein? D'accord, Goliath faisait deux fois sa taille, mais ce n'est pas le problème. David l'a vaincu.
Quand Dieu t'appelle, Dieu sait faire les choses. Et lorsque Dieu dit cette promesse et fait cette promesse à Abraham, il y a de l'improbabilité dans cette promesse. Mais Dieu est le Dieu capable de ce qui est improbable. Dieu, il est au-dessus de toute circonstance. Et lorsqu'il va décider d'accomplir sa parole, il dira à Moïse, « Moïse, je t'ai choisi pour emmener ce peuple dans le pays que j'ai fait la promesse à leur père. Je t'ai choisi, Moïse, pour faire cela. Et je t'ai appelé. » Et 400 ans, précisément 430 ans après, le peuple va sortir d'Égypte à cause de la promesse de Dieu. Mais avant que le peuple ne sorte d'Égypte, Dieu dit à Moïse, tu vas faire des choses. Et Moïse n'a pas agi avec sa propre force. Et je pense un peu comme Gédéon, quand Dieu nous appelle à des choses importantes, lorsque nous réalisons l'importance de ces choses, l'expression créole saisissement immensio, les poignons. Quand Dieu t'appelle à faire des choses importantes, parce que ça te paraît tellement... Et Moïse, les choses sont présentées différemment, mais Moïse n'a pas agi différemment. Quand Dieu lui parle sur cette montagne, il dit, Moïse, ôte les souliers de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, car je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse va se couvrir tout de suite parce qu'il craint, il comprend qu'il est dans la présence du Dieu de ses pères. Mais il ne connaît pas vraiment encore ce Dieu-là. Il n'y a pas de... À ce moment-là, pour Israël, il y a certainement quelque chose qui est entretenu parmi le peuple, mais la vraie relation avec Dieu n'est pas pour tout le peuple. Les chefs des tribus ont continué à véhiculer, parce que quand Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », il comprend tout de suite. Donc cela montre qu'il y a eu une transmission de la connaissance de Dieu, mais il n'y a pas eu forcément pour tout le peuple une transmission de la relation avec Dieu. Et le défi de Moïse, c'est d'aller vers le peuple. Parce que si le peuple avait entretenu cette relation avec Dieu, Moïse n'aurait pas ainsi posé la question, mais s'il me demande ton nom. S'ils avaient entretenu cette relation avec le peuple, avec Dieu, ils sauraient comment s'adresser à Dieu. Mais Moïse dit, mais s'il me demande quel est ton nom, alors tu diras, je suis et mon nom. Alors Moïse essaye de négocier parce qu'il n'a pas trop envie d'y aller. Et il va négocier, jusqu'à ce que Dieu dise, Moïse, c'en est assez, ça suffit. Et non pas parce que Dieu veut élever Moïse, mais parce qu'au travers de Moïse, Dieu veut élever son nom. Dieu veut glorifier son nom. Et nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons nous aussi permettre à Dieu de glorifier son nom au travers de nous, dans tout notre quotidien. Et nous devons apprendre à entretenir la relation que Dieu veut avec lui, afin que nous puissions vivre, je dirais, dans un surnaturel, qui pour Dieu est toute somme naturelle, mais que nous puissions vivre dans ce surnaturel-là, frères et sœurs, afin que l'inaccessible devienne accessible, que l'impossible devienne possible. Mais cela n'est possible justement qu'à condition d'être dans cette relation particulière avec Dieu. Et Israël, lorsqu'il se trouve en Égypte, il n'est pas dans le pays que Dieu veut pour lui. Et il n'est pas dans une condition favorable pour que Dieu puisse agir. Donc Dieu, au travers de Moïse, va faire une déferlante de puissance sur tout le pays d'Égypte. Il y aura 10 signes, je vous invite à lire le livre de l'Exode pour cela, hein, d'accord? Donc il y aura 10 signes que Dieu va manifester. Le fleuve changé en sang, les sauterelles, la grêle, le feu, et ainsi de suite. Il y aura une manifestation de la puissance, d'une part pour Israël, parce qu'Israël, depuis 400 ans, avait perdu l'habitude de voir Dieu agir dans sa vie. Ils avaient perdu véritablement la manifestation de la puissance de Dieu. Et cela rejoint ce que Gédéon dit. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Lorsque Gédéon dit cela, Madian oppresse Israël. Et lorsque Dieu demande
à Moïse de faire sortir. Dieu dira à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu ses souffrances. C'est que Israël, à ce moment-là, et Israël, au moment de Gédéon, réagissent de la même manière. Lorsqu'il y a un temps de domination, de souffrance particulière qu'Israël subit, la manière dont Dieu va pouvoir agir, c'est lorsqu'Israël se tourne vers Dieu. C'est lorsqu'Israël s'humilie pour regarder vers Dieu. Et Dieu dit, j'ai entendu le cri de leur cœur. J'ai entendu leur souffrance. J'ai vu l'oppression que l'Égypte fait subir à mon peuple. Et je viens secourir. J'ai entendu ce que le peuple a dit à propos de Madian. Mais non pas ce que le monde, non pas ce que l'Égypte vit. Le peuple n'a pas prié pour l'Égypte, le peuple n'a pas prié. Ils ont prié pour eux, pour la situation qui était la leur. Et la gloire de Dieu s'est répandue sur Israël. Mais Dieu s'est manifesté par ces différents signes parce qu'Israël ne savait plus trop comment Dieu agissait en réalité. Parfois dans notre manière de voir Dieu, nous disons aussi nous, chrétiens d'aujourd'hui, mais Seigneur, où es-tu ? Seigneur, où es-tu ? Et pourtant, comme Gédéon, nous avons vu le feu sortir du rocher lorsqu'il a agi dans notre vie. Pourtant, comme Gédéon, nous avons vu cette manifestation de la puissance de Dieu. L'équilibre qui s'est créé dans nos vies. La stabilité. La restauration. Il y a encore des choses, bien sûr, à faire et à vivre. Mais Dieu a fait son miracle dans nos vies. Dieu a accompli son miracle. Et point n'est besoin de grandes choses. Moïse avait le bâton pour ouvrir la mer. L'ange de l'Éternel avait le bâton pour mettre le feu à l'offrande. Pas besoin des fois de grandes choses. Un bâton. Jacob a pris des branches de peuplier pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, remplissez pas votre maison de bâtons en disant, Seigneur, par le bâton, tu fais des choses extraordinaires. Non, 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 remplissez vos cœurs de la parole de Dieu. D'accord ? Afin de ne pas gagner coup de bâton, justement. Hein? Mais c'est dans cette manière qu'il nous faut entreprendre et voir les choses, frères et sœurs. Et lorsque Moïse utilisera son bâton, il n'utilisera pas l'épée contre Israël, contre l'Égypte. Juste le bâton que Dieu va lui donner. Et lorsque nous sommes dans cette démarche avec Dieu, la gloire de Dieu se répand. Non pas parce que tu es bon, non pas parce que tu as, encore une fois, jeûné, prié, fait des choses, Seigneur. Moi, je vais jeûner, Seigneur, 40 jours, Seigneur. Enfin, très souvent, j'entends les gens jeûner une journée, 3 jours, une semaine. Daniel, 21 jours. Rarement, j'entends les gens dire, je vais jeûner 40 jours. Mais pas 40 jours adaptés aux jeunes légumes. Hein. 40 jours jeûne de Moïse, enfin jeûne de Moïse. 40 jours sans manger comme Moïse, comme Jésus. 40 jours. Si vous la prenez un peu de réserve. Avant de jeûner 40 jours, fais un peu de réserve. Parce qu'à ce moment-là, vous sec. D'accord ? Il y a très peu parce que c'est une démarche particulière, frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que tu vas jeûner, tu vas prier. Ces choses sont excellentes et il faut le faire. Ne détournons pas ce que je suis en train de dire. Il faut le faire. Mais ce n'est pas parce que tu auras jeûné que tu vas dire, ben, c'est parce que j'ai jeûné que Dieu a agi. Non, parce que lorsque tu jeûnes et lorsque tu pries, tu te mets dans une disposition qui est agréable à Dieu. Et Dieu répond à un état de cœur favorable. Le jeûne vient participer, la prière vient participer. Vous savez, je crois que c'est dans le livre de la Genèse, fin du chapitre 3 ou 4. 4, je crois 4. Il est dit que lorsqu'il y a Enoch et ainsi de suite, si jamais on peut trouver, je crois que c'est le dernier verset du chapitre 4, il est question d'Enoch, des deux mecs et d'Enoch. Il est dit qu'à ce moment-là seulement, on a commencé à prier l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est nécessaire dans la prière.
mais la prière vient démontrer une relation, un état de cœur. Et c'est ça que Dieu, c'est comment est ton cœur. Tu peux prier, mais au sortir de la prière, être insultant, être grossier, être je ne sais trop quoi avec tous ceux qui sont autour de toi, ça ne fonctionnera pas. Tu auras pu passer 3 heures dans la prière, ça ne fonctionnera pas. Mais tu es quelqu'un qui a prié 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure, mais qui a un état de cœur vrai et profond que Dieu approuve. C'est ça que Dieu va. C'est ça. C'est cet état de cœur-là qui recevra la faveur de Dieu. Amen. Donc, lorsque Israël est dans cette attitude, il n'a pas encore l'habitude. Et donc, Dieu va manifester sa puissance. Et c'est ce que Gédéon attend. Il dit, mais si l'Éternel est avec nous, où sont tous les signes que nos pères nous ont racontés? Et parfois, lorsque nous sommes dans des situations particulières, on dit, ben, Seigneur, pourquoi la guérison n'est pas pour moi? Seigneur, pourquoi moi je ne vois pas mes finances là, d'un coup que je devienne millionnaire? Seigneur, pourquoi je ne vois pas, Seigneur, à ce que mon loto, que les PSC partout, il devient un joli loto le lendemain matin comme il lève? Seigneur, pourquoi je ne vois pas, Seigneur? Parce qu'à ce moment-là, ça dénote autre chose. Mais Dieu va dire à Israël, vous, quelque part, vous ne savez pas vraiment qui je suis. Et je vais vous montrer qui je suis. Vous avez besoin de comprendre que je suis un Dieu fidèle parce que la parole que j'ai déclarée à votre ancêtre Abraham, je suis en train de l'accomplir sous vos yeux. Mais que je suis un Dieu puissant et que vous devez avoir à mon égard le respect et la crainte qui va avec. Et Dieu n'agit que lorsque nous avons aussi intégré ces choses, frères et sœurs. Et Israël, encore une fois, n'avait pas l'habitude. Et Dieu va dire à Gédéon de la même manière, « Gédéon, tu es un vaillant héros, mais tu ne le sais pas, parce que les circonstances ont parlé contre toi. Tu ne le sais pas. Toi qui es là aujourd'hui, tu ne sais pas la capacité réelle qui est la tienne. Tu ne le sais pas véritablement. » Alors certains disent, « Non, moi je connais, moi. » Moi, je connais, moi, je sais exactement. Prends garde, frère, prends garde, sœur. Parce qu'à ce moment-là, la limite avec l'orgueil n'est pas trop loin. Pas trop loin. Tu peux savoir, bien sûr, hein, d'accord. Mais faisons attention également à cet état de cœur. Et lorsque Dieu se manifeste, il veut que sa gloire se répande sur Israël et qu'Israël soit imprégné de sa gloire. Qu'Israël puisse vivre dans une atmosphère particulière. Et que même si en face ils sont des milliers ou des millions, qu'Israël ne craigne pas d'avancer. Parce que Dieu est au-devant, colonne de nuée, colonne de feu. Dieu se déplaçait toujours au-devant d'Israël. Il dit, je serai devant vous. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes confrontés à une situation un peu similaire à celle qu'Israël vit avec Madian. Un peu similaire à celle qu'Israël vit avec l'Égypte, où le monde dans lequel nous vivons nous oppresse, nous fait vivre des choses particulières. Dans notre domaine professionnel, dans plein de domaines, ne serait-ce que dans la situation sanitaire qui est la nôtre aujourd'hui. C'est une oppression, on dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on va sortir de là? C'est une situation, frères et sœurs, qui n'appartient pas à l'Église. L'Église, c'est peut-être approprié cette situation, mais cette situation n'appartient pas à l'Église. Cette situation appartient au monde. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas des masques? Si, on a des masques. Comme je disais lors du dernier message, nous faisons de temps en temps des incursions dans le monde, parce qu'il faut aller travailler. D'accord? Il faut aller s'habiller. Ou ça achète linge, la boutique. On fait les incursions dans le monde. Nous vivons dans ce monde-là. Et le monde aura ses contraintes. Et la parole de Dieu nous dit que le monde va à sa perte. Plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour ce monde. Mais le Seigneur dit que l'Église a une autre destinée, frères et sœurs. Et Israël avait une autre destinée par rapport à toutes les autres nations qui les entouraient. Israël avait une destinée différente de celle de l'Égypte. Israël avait une destinée différente de celle de Madian.
Israël avait une destinée de celle différente de celle qu'elle a pu avoir avec Babylone et ainsi de suite. Israël avait une destinée différente et a toujours une destinée différente. Et l'Église a une destinée différente. Alors bien sûr, ce qui se passe dans le monde peut nous affecter d'une manière ou d'une autre. Mais l'Église doit comprendre qu'elle est dirigée par Dieu. Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Dieu a utilisé Jésus pour nous faire sortir de ce monde. C'est une réalité, ça. Vous avez dit oui à Jésus. Vous avez dit oui à cette alliance avec Dieu. Et à cause de cela, nous devons vivre dans la réalité de la gloire de Dieu. L'impossible devient possible. Il dit, mais Seigneur, mais comment rappelle-toi du feu qui est sorti du rocher? Mais le problème avec les hommes et les femmes, hein, les hommes avec un grand H, d'accord? Comme ça, on a les deux, l'humanité humaine, l'humanité. Les hommes avec un grand H, parce qu'ils disent, on voit plus, à cause pour non, ils causent pour notre tout, hein, d'accord? Les hommes avec un grand H, le problème, c'est qu'on oublie très vite. On oublie très vite. Gédéon, il dit, ah, malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, je vais mourir. Dieu lui dit, non, ne crains pas, tu ne vas pas mourir, parce que c'est moi, d'accord? Ça fait penser au papa de Samson, hein, quand il dit, non, la même chose, malheur à moi, son madame. Vous savez, messieurs, là c'est le monsieur, là c'est le vrai monsieur, c'est pas l'homme, c'est juste l'homme, hein, avec le petit H. Nous l'avons besoin parfois que nos madames y ajustent à nous un petit peu. Hein? Messieurs, vous avez l'air là? Hein? Hubert, on a besoin que nos madames nous rajustent de temps en temps un petit peu. Amen. Papa, tu redonnes, vous voulez répondre à moi un peu oui aussi parce que... Alléluia. Alors, le papa de Samson, il dit malheur à moi. Madame, il dit, arrête, si Dieu voulait nous faire mourir, ça fait longtemps qu'il nous aurait fait mourir. Il ne nous a pas révélé tout ça pour nous faire mourir ensuite. Mais Gédéon, au sortir de la malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il dit, Seigneur, si tu veux vraiment m'utiliser. Seigneur, tu vois la toison là, qu'elle soit mouillée et qu'autour ça soit sec. Pourtant, il vient dire, j'ai vu l'ange. Il sait que c'est Dieu, c'est la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu en face de lui. Mais oubliez. Israël sort de l'Égypte, ils ont vu les sauterelles, ils ont vu le fleuve, ils ont vu tous ces signes, ils ont vu les premiers-nés, ils ont vu tout cela. Ils arrivent dans le désert. Aaron, fais-nous un veau d'or, représente-nous un Dieu pour que nous puissions nous l'adorer. Ils ont tout de suite oublié. Ah non, ça pour Bana, ça c'est pas pour nous. Le Seigneur, mais tu agis pas dans ma vie donc. Mais si, regarde, examine ta vie depuis, dès le moment où tu es devenu enfant de Dieu. Tu as oublié? Tu as oublié comment il t'a donné un travail? Tu as oublié comment il t'a donné un mari, une femme, des enfants? Tu as oublié? Tu as oublié comment il a restauré ton cœur? Comment il a fait que ce qui se cognait dans tes pensées disparaisse? Tu as oublié ça? Tu as oublié tous les tantras que tu faisais qui t'emprisonnaient et qui t'a libéré des chaînes de cela? Tu as oublié? Tu as oublié l'amour et la paix et la joie qu'il a mis dans ton cœur au moment où tu as entendu cet évangile? Tu as oublié? Nous devons nous rappeler, frères et sœurs. Nous devons nous rappeler de cela. Parce que cela nous permet de dire, mais Seigneur, mais tu étais là. Quand je croyais que tu n'étais pas là, tu étais là. Tu étais là. Et c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Gédéon, les prouesses et tout ce que et les prodiges que tu entends raconter ne sont pas terminés. Et je vais te prouver. Le chapitre 7, il est dit quoi? Gédéon réunit une armée, 32 000 hommes. Dieu dit à Gédéon, non, tu es trop nombreux. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, chapitre 7, verset 2. Trop nombreux pour que je le livre, pour que je livre Madian entre tes mains. Le peuple pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ils sont 32 000, hein,
en face, ils sont plus de 120 000. $32 contre $120, 1 pour 4. D'accord? Ce n'est pas des 4 mètres carrés, mais c'est 1 pour 4. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. On va passer au verset 6. S'il vous plaît, si on peut. Ceux qui lapèrent l'eau en portant la bouche à leurs mains furent au nombre de 300. De 32 000, ils sont passés à 300. Dieu dit là, c'est bon. 300 personnes comptent plus de 120 000 personnes. Et lorsque Dieu mène bataille, encore une fois, ce n'est pas l'épée qui va primer au début. Gédéon prend des torches, des cruches, des bâtons. Et en faisant du bruit, Madian va se détruire et s'autodétruire. Et l'équipe fera le reste ensuite. Lorsque Dieu est là dans votre camp, frères et sœurs, quel que soit le nombre de circonstances, d'ennemis, de situations qu'il y a en face de vous, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Devant ceux d'Israël qui sont sortis d'Égypte, Dieu a ouvert la mer. Avec Gédéon, il a utilisé des cruches et des torches. Avec David, il a agi autrement. Avec Déborah, il a agi autrement. Et avec les autres, et ainsi de suite, frères et sœurs. Et avec toi, il va agir autrement. Il va agir autrement. Ce n'est pas parce que dans la vie du frère, c'est, Seigneur, tu vois comme tu as fait dans la vie de la sœur, comme moi pareil, Seigneur. Fais pareil pour moi. Mais non, la sœur, c'est la sœur. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi et elle, c'est elle. Chacun d'entre vous, vous êtes dans des choses différentes. Mais vous devez réaliser une chose, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, vous ne faites pas partie du peuple d'Israël à proprement parler, mais vous faites partie de l'Église. Et Jésus a déclaré cette chose à Pierre. Pierre, tu es sur Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. Et il s'est arrêté à là? Non. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La promesse est formulée différemment d'Israël, que celui qui te combattra tombera sous ton pouvoir. C'est différent. La promesse, elle est formulée différemment, mais la finalité reste la même chose. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, et tu es l'Église. Tu dois vivre dans cette réalité de la gloire de Dieu. Ce qui te paraît impossible peut devenir possible. Peut devenir possible. Bien sûr, il y a des conditions, encore une fois, frères et sœurs. Hein. Ne dites pas parce que je suis chrétien que la chose, elle est là. Non. L'intervention de Dieu dans la vie d'Israël au temps de Gédéon n'a été possible que parce qu'Israël s'est positionné devant Dieu. L'intervention de Dieu pour Israël au temps de Moïse en Égypte, ce n'a été possible que parce qu'Israël s'est positionné devant Dieu. Il y en a qui ont prié et ont dit, Seigneur, interviens en notre faveur. Ce n'est pas juste à se dire, ben moi je suis chrétien, et parce que je suis chrétien, tout va bien. Non, il faut aussi que tu te positionnes devant Dieu. Et comment tu vois Dieu? Comment tu le vois? Si l'Éternel est avec moi, alors pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Comment Dieu est capable d'agir dans ta vie? Est-ce que le Dieu de ta vie d'aujourd'hui est le Dieu religieux que tu as connu par le passé? Si c'est le même, c'est pas bon. Le Dieu de ta vie d'aujourd'hui doit être le Dieu véritable de l'impossible. Si tu ne l'as pas encore compris, il faut que tu entres dans cette démarche pour que ce Dieu dans lequel tu crois aujourd'hui soit le Dieu qui soit capable de faire l'impossible et d'accomplir l'impossible pour toi. Il fera l'impossible. Il fera l'impossible. Ce qui te semble peu probable, Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il ira au-delà de tes espérances, au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il ne suffit pas de désirer, frères et sœurs. Hein? Je vais bien, quand même. Hein? Seigneur, il y a des célibataires au milieu de nous, là, je pense. Hein? D'accord? Lève pas la main, lève pas la main.
lève pas la main. Hein? Seigneur, ah, cette sœur là-bas, là, Seigneur, certainement c'est elle que tu veux pour ma femme. Non, là, elle n'a rien à voir avec le Seigneur, là. Là, c'est où Dieu que la cause avant. D'accord? C'est où Dieu la trouve jolie. Et où la dit certainement. Les valables dans l'autre sens. Seigneur, tu as vu le frère là-bas? Ah, il aime bien son style. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, il... je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il a un peu de muscle. Hein? Bande prédicateur, là, il a des abdominales, mais lui, il a des abdominaux, lui. Hein? Ça, Seigneur, t'inquiète pas, après le mariage, il risque d'avoir les abdominales aussi, lui. Hein? C'est l'expérience, et je crois qu'on a beaucoup dans cette expérience-là au milieu de nous. Mais ça, c'est ton yeux, comme dit Créole, qui cause. N'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et où dit Seigneur, mon cœur, il bat trop, les trop faux, comme il voit cette personne-là. Franck, il pense que vraiment, c'est où, Seigneur? Non, 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 non. Si il y a un mec arrive au lait, n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, là. C'est juste ton appréciation des choses. D'accord? C'est juste comment toi tu vis, comment toi tu perçois les choses. Mais il faut t'apprendre à discerner, pas à percevoir. À discerner. Amen. Et il faut faire une différence en cela, frères et sœurs. Et c'est valable pour tous les domaines de votre vie, d'accord? J'ai pris cet exemple-là, mais c'est valable pour tous les domaines de votre vie. À ce moment-là, Dieu va pouvoir agir dans votre vie. Parce qu'Israël, lorsque Dieu parle à Gédéon et dit, Gédéon, tu iras combattre. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Israël. Et il a dit à Israël, le Seigneur nous demande d'aller combattre Madian. Il s'est retrouvé, comme on vient de lire, avec 32 000 hommes. Et Dieu dit, Gédéon, si tu y vas, ainsi, les 32 000 hommes, ils vont dire que c'est à cause d'eux, c'est leur force. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez jeûné, prié. Ce n'est pas ça qui fait, c'est comment vous jeûnez. Pas parce que, mais comment. D'accord? Les deux choses sont importantes. Comment vous jeûnez, comment vous priez. C'est ça qui fera la différence. Et dit, si vous y allez comme ça, vous allez prendre la gloire pour vous. Mais à la gloire, lui revient à lui seul. À Dieu seul la gloire. Et il dit, Gédéon, tu diras à tous ceux qui ont peur de rentrer chez eux. 22 000. Sur 32 000, 22 000. Imaginez dans une église, on dit un truc comme ça, les deux tiers, ça va. Le prédicateur fait pitié. Honnêtement. Il dit, Seigneur, comment parti dire? Hein? Mais vous peut comprendre Gédéon. Quand il voit ces 22 000, il dit, Seigneur, ben, déjà, il n'était pas trop nombreux. 22 000 face à 120 000. C'est pas beaucoup. Et si là, d'un coup, voit 22 000 partir sur 32 000, dit Seigneur. Dieu lui dit, non, Gédéon, combien? 10 000. Encore trop nombreux. Seigneur, 10 000. C'est rien. Encore trop nombreux. Cela demande une bonne dose d'obéissance, frères et sœurs. Fais-les descendre à la rivière. Et au final, 300. 300. Et je peux vous assurer que Gédéon n'était pas tranquille. Gédéon n'était pas tranquille. C'est pour ça que j'aime bien Gédéon. Il ressemble à un tas de monde entre nous, ça. Et notamment moi. Il n'était pas tranquille. Pourquoi il n'était pas tranquille? Parce que Dieu connaissait. Dit Gédéon. Viens voir Gédéon. On va essayer d'imager un peu la chose. Viens voir Gédéon. Tu vas faire une chose. Tu vois, le camp de Madian descend. Va. Va. Et il descend et il y va dans le camp de Madian. Et là, il entend deux personnes. Il dit, écoute, l'une qui parle avec l'autre, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je voyais ça. Et l'autre qui lui répond, a dit, mais c'est Gédéon qui c'est l'Éternel qui livre Madian entre les mains de Gédéon. Et là, il sort de là, ah, gonflé à bloc. Il dit, les bons. Et il remonte et il va. C'est pour ça qu'il n'était pas tranquille. Parce que 300, il a accepté le choix et la volonté de Dieu. Mais Gédéon n'était pas tranquille parce que Dieu nous dit que Gédéon n'était pas tranquille.
et qui va dire à Gédéon, pour que tu sois tranquille, va et écoute ce que Madian pense. L'Église a une destinée différente du monde, frères et sœurs. Vous ne devez pas vous intégrer à ce que le monde vit comme situation. Forcément, les situations du monde peuvent avoir des impacts sur notre quotidien parce que nous y allons dans ce monde et nous vivons dans ce monde malgré tout. Nous vivons d'une manière naturelle, mais notre vie, elle est spirituelle avec Dieu. Et nous devons comprendre la destinée qu'est l'Église. Lorsque Dieu a fait cette promesse à Abraham, il l'a accomplie en Moïse et il l'a accomplie avec tous les autres qui ont succédé. Lorsque Jésus fait cette promesse à Pierre, il l'accomplira parce que depuis 2000 ans, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de lieux, on veut combattre l'Église, on veut combattre l'Évangile, mais l'Évangile est toujours là 2000 ans après, frères et sœurs. Amen. L'Église a sa destinée. Et parce que l'Église a sa destinée, la gloire de Dieu, nous devons y entrer. Vous savez, comme il est dit dans cette parole, lorsqu'ils se sont retrouvés, les sacrificateurs sont entrés dans le temple et la gloire d'un même accord, d'un même cœur, à l'unisson, ils se sont tous mis à chanter, car la gloire à Dieu, car la miséricorde de Dieu durera toujours. Et la gloire de Dieu s'est déversée, s'est répandue au point même que les sacrificateurs ne purent y rester pour continuer le service. Lorsque la gloire se manifeste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu parlait à Moïse sur la montagne, cette gloire s'est manifestée. Le peuple en bas dit, Moïse, à où cause avec nous, mais nous ne veut pas que Dieu cause avec nous, parce que nous la peur de cette gloire-là. Parce qu'elle représente une puissance, mais une puissance non pas qui doit nous faire peur, mais une puissance qui doit nous inspirer le respect pour Dieu. Amen. Donc nous devons être dans cette démarche pour vivre une réalité de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Si nous doutons à chaque fois qu'il nous arrive une circonstance, que nous sommes dans la situation, ben, Seigneur, où ça où l'est, laisse le temps au Seigneur de venir t'aider. Dieu se fait attendre, moi je dis souvent ça, Dieu se fait attendre, mais il n'est jamais en retard. Il ne sera jamais en retard, il arrivera à l'heure pour te secourir. Tu auras l'impression que là, c'est fini, Seigneur, là, C'est la dernière. Non, le Seigneur va venir juste à temps. Juste à temps. Et c'est dans cette logique que Dieu veut voir l'Église grandir. C'est dans cette logique que Dieu veut que nous puissions expérimenter ce qui est écrit dans sa parole, afin que nous puissions vivre les choses et aller, comme il est dit, de gloire en gloire, frères et sœurs. Amen. Non pas pour dire, ah, oh, t'as vu, nous les... Non, à ce moment-là, c'est dangereux. C'est très dangereux pour toi, parce que tu voles la gloire de Dieu. Et ça, c'est, ça, il faut pas. Ça, tu cours un grave danger, je dirais même. D'accord? Mais si tu respectes cela, alors les choses banales peut-être, tu vas dire une phrase à quelqu'un. Une phrase, ça va changer toute chose. Un geste que tu feras, mais parce que tu le feras d'une manière particulière. Ton collègue, un ami, quelqu'un qui te croise dans la rue, Dieu peut t'utiliser. Quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, Dieu peut t'utiliser. Et le mot, la phrase, le geste, l'action que vous allez faire face à cette personne changera toute sa vie. Changera toute sa vie. Non pas parce que vous êtes ce que vous êtes, mais parce que vous véhiculez la gloire de Dieu. Tout simplement, frères et sœurs. Vous véhiculez cette gloire. Et on la transmet, on la traduit, nous, par onction, parfois. T'es ça, n'a l'onction, ça. D'accord ? Onction, ça veut dire être oint. Parfois, on transforme un petit peu les choses. Bon, ce n'est pas le moment, mais c'est être oint, être choisi. D'accord ? Et lorsque vous êtes choisi par Dieu, Dieu fait son dépôt sur votre vie. Dieu fait son dépôt sur votre vie. Et il y a des électriciens au milieu de nous, là. Moi, à part ceux que je connais, même ceux que je connais, levez un peu la main, les électriciens, là. Un point tant que ça. Ils pensaient avoir un petit peu plus que ça. La point tant que ça. On va revenir sur mon frère Hubert, et puis après, on va s'arrêter. Frère Hubert, tu... Ah. Mets-toi debout, mon frère Hubert. Alléluia. Mon frère Patrick, lève la main. Mon frère Patrick, viens, ouais, un coup de vent à côté. Viens aussi un instant.
Alléluia. Je suis désolé, les internautes, hein, vous ne pouvez pas tout voir. Il y a ce qui apparaît à l'écran, ce qui n'apparaît pas. Donc, voilà, garde bien la distance. Hein. Ah, je demandais. Raphaël, viens aussi. Va. Alléluia. Dépêche, 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 dépêche. Cours, vol. Alléluia. Ah ben ça dit peut être en azote. Hein? Patrick et Hubert commencent à causer, dit quoi ça dit peut être en azote, voilà. D'accord? Les trois là, les trois là lèvent la main pour l'électricien là. Hubert, Patrick, n'a un certain gabarit. Donc ils voient bien. Par rapport à Raphaël à côté. D'accord? Mais messieurs, que vous qui avez un certain gabarit, si je vous demanderais et si je vous demandais de tenir le câble électrique qui alimente une ampoule, est-ce que votre gabarit sera suffisant? Pas besoin d'avoir le gabarit de Raphaël pour être jeté à terre. C'était juste là-dedans que je voulais faire l'allusion. D'accord? C'est-à-dire que peu importe la force physique qui est la nôtre, lorsque quelqu'un est soumis à ce courant électrique, il trappe à lui et il envoie aller loin là-bas. Parce que le courant électrique sera toujours plus fort que l'homme le plus fort et que l'homme le plus costaud. Parce que le courant électrique ne tient pas compte du gabarit. La puissance de Dieu qui agit en nous, frères et sœurs, ne tient pas compte de qui vous êtes, de la force et de comment vous êtes. Vous pouvez être petit, menu, costaud, grand, peu importe. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, vous êtes capable d'accomplir l'impossible. Un petit gabarit est capable de changer une ampoule. La bonne ampoule qui a fait ça, pas obligé d'être électricien pour faire ça. Hein? Mais bon, d'accord. Hein? Il est capable de changer une ampoule comme n'importe quel électricien aguerri. Point besoin d'être quelqu'un de... Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons réaliser que Dieu fait un dépôt à l'image de ce courant électrique dans nos vies. Et que si quelqu'un venait à nous toucher et nous approcher, ce n'est pas parce que nous sommes le courant électrique, mais parce que nous le véhiculons. Et que cette puissance se transmet à celui qui touche. Vous imposerez les mains. Allez toucher. Ben, allez pas toucher, pardon. Allez pas toucher, d'accord? Allez pas. Mais le courant, allez pas. Mais parce que vous êtes ce que vous êtes et que Dieu a fait ce dépôt en vous, vous véhiculez ce que Dieu a mis. Et que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous touchez. Et le Seigneur nous dit, n'impose pas les mains avec... N'allez pas dire demain, vous allez aux autres, ils sortent là. Seigneur, le courant électrique, comme le courant électrique nous prie et mis... Non, 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 déséquilibre. Déséquilibre. Là, ce n'est pas du courant continu, c'est du discontinu. Et les plus bons, il faut qu'ils circulent toujours, d'accord? Et dans cette manière, vous allez pouvoir véhiculer ce que Dieu a mis en vous. Forcément, une batterie de voiture ne dégage pas le même courant que celui qui circule pour alimenter les ampoules de cette salle. Forcément, la petite voiture miniature ou votre téléphone ne véhicule pas la même intensité de courant. Donc parfois on dit, ben Seigneur, ben à cause, ben non, il fait ça à moi, non, non. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a une forte différence entre chacun d'entre nous. Mais Dieu va vous confier, les uns et les autres, ce que vous devez faire pour qu'autour de vous ça se passe comme Dieu veut. Mais nous devons réaliser la position qui est la nôtre. L'enfant de Dieu que vous êtes, Dieu vous a choisi comme Gédéon. Seigneur, il n'y a pas fait ça, moi. Ça, ah ben non, il savait ça, moi, il n'y a pas, moi. Dieu vous a choisi comme Gédéon. Alors peut-être que tu ne seras pas Gédéon, mais comme Gédéon, j'ai dit. Tu ne seras pas Gédéon, mais tu seras peut-être le soldat qui suit Gédéon. Tu iras au combat de la même manière. Dieu va t'utiliser, Dieu va faire les choses, mais tout ça pour la gloire de son nom. Dieu va t'utiliser pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur, je veux voir le changement, mais le changement, il est à ta porte.
Le changement est possible pour toi, frère. Le changement est possible pour toi, sœur. La capacité est là parce que Dieu a mis ce qu'il fallait là, frère et sœur. Alléluia. Nous vivons l'Église, nous sommes l'Église et nous devons véhiculer ce que Dieu a placé dans l'Église, frère et sœur. La gloire de Dieu ne dépendra pas du monde, mais Dieu va manifester sa gloire pour que le monde voit qui il est. Comme Dieu l'a fait avec l'Égypte, Dieu veut que le monde puisse voir qui il est. Et au milieu du peuple de Dieu, Dieu va accomplir encore plus de signes, de miracles et de prodiges, afin que le monde puisse voir, afin que le monde puisse être témoin de ces choses, afin que nous puissions mêler. Dieu va vous utiliser et vous devez être ces canaux, vous devez être ces vases que Dieu veut utiliser. Et s'il n'a pas une bonne couche au fond, ben permet à Dieu d'enlever cette couche. Reconnais qui tu es, accepte. Et des fois, il faut prendre un petit truc pour gratter au fond parce que, un petit peu comme les sédiments, là, il pose au fond et il a du mal à décrocher la croûte. Et quand il décroche, on a l'impression qu'il a deux, trois petites choses à saigner. Ben, il relève, il fait revivre deux, trois petites plaies ou dit Seigneur, mais il ne veut pas ça. Moi, non, mais oui, mais c'est nécessaire pour toi. C'est nécessaire pour que les fondations soient comme il le faut. Alléluia. Glorifions le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons chanter un cantique et puis après nous ferons la Sainte-Cène et les offrandes. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Réalisez, Seigneur. Réalisez, frères et sœurs, vraiment. C'est, parfois on dit, mais Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est... Oui, cela fait partie de ce que nous sommes. Mais il y a également l'impossible qui devient possible avec Dieu. Il n'y a pas que la difficulté, il y a l'impossible qui devient possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, vaillant héros. Seigneur nous envoie avec la force que nous avons. Et combat pour nous. Alléluia. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Recevez le royaume.
protéger. Il est là pour nous protéger.